Hey, salut tout le monde. J'espère que vous allez tous très très bien. C'est Télécable Best. Pour ma part, bah ça va très bien. Écoutez, en ce moment il fait très beau. Enfin, tout va bien. Alors souvenez-nous, la dernière fois nous avions atomisé, dégommé, éclaté le Conseil 4. Enfin non, en fait on a eu assez de mal quand même. Bon, ça a été sorti. Puis voilà. Nous avons donc dit que le maître nous attendait. Et donc, je vais mettre Jelko contre le maître. Bon, hein, c'est Marc, le maître de la ligue. Ça, je pense que tout le monde le sait. Alors que dans Ruby et Saphir, c'était Pierre Rochard. Là, c'est Marc. Donc, on est parti. Hein. On va bien voir ce que ça donne. Bon, je pense que ça va le faire. Mais je sens que ça va être corsé quand même. Hein. Enfin, on va bien voir ce que ça donne, les amis. 1, 2, 3, c'est parti. Bienvenue, Lucas. Oui, je m'appelle Lucas. Lucas, c'est mon frère, bien sûr, évidemment. Bienvenue, Lucas. À propos de l'incident d'Atalanopolis, réussir à mettre un terme à cette crise par tes propres moyens. Oups. Ça ne serait pas juste de dire que tout le mérite te revient. Tu as surmonté la situation grâce au lien que tu as avec tes Pokémon. Nous, dresseurs, prendrons soin de nos Pokémon en leur donnant des objets et en leur apprenant des capacités. Nous apprenons également énormément de nos Pokémon. Et c'est ici que tu peux tester le résultat de tous tes efforts face à d'autres Pokémon. Ça va commencer, voilà. Face à d'autres dresseurs et leurs Pokémon. Maintenant, qui de nous deux va pouvoir se vanter d'avoir les meilleurs Pokémon d'Oen? Nous allons le savoir tout de suite. En effet. Oh, c'est lag, ça va pas commencer. Un combat est lancé par Maître Marc. Wellord. Oui, donc évidemment, vous l'avez deviné, hein. Il est spécialisé de des Pokémon de type O. Lame feuille. Wellord est un paquet APV, hein. Il risque de résister. Oh non, yes, coup critique, c'est bon. La chance est avec nous, je vous le dis. Milobulus direct. Oh là là. Non, bah non, garde Jelko. Plein de feuilles. Résiste. Ça va. Bon, la gomme accélère. Je resterai que j'ai gassé dessus. Milobulus est une excellente défense spéciale, hein. J'en possède un, donc je sais de quoi je parle. Il est KO, c'est bon. Parfait. Déjà deux Pokémon en moins du maître. Jelko monte au niveau 53. Tentacruel. Alors lui, il va être corsé. Je vais être Corinne. Mais il va être difficile, hein, je vous le dis. C'est l'un des deux Pokémon que je trouve le plus difficile, en fait. Il y en aura aussi un autre tout à l'heure que je vous dirai qui est un peu chiant. Hydrocanon. Il doit résister Corinne, maman. Ouais. Je vais faire force cosmique pour augmenter ses pouvoirs de défense et de défense spéciale. Bon là on va le soigner parce que sinon il va être mis il va être mis KO quoi. Hyper potion. Hydrocanon. Ah j'aurais mes Kirates. Vous voyez hein, la force cosmique a agi. Hein. Il a perdu moins de PV. Ouais je fais ça jusqu'à temps que. Voilà. Eh ben pas raté hein. Je suis kamikaze ou pas? Non. Non, non. Je suis pas un fou non plus, hein. On n'est pas des tarés. Allez, puce-les tous, t'as raison. Ah, vous voyez, il aura pas résisté. J'ai bien fait. Bon, bah écoutez, on utilise toutes nos potions, c'est pas grave. Mais au moins. C'était sa dernière. Bon, c'était sa dernière hydrocanon, hein. Attendez.
Ouais, c'est ça, c'est sa dernière. Mais tant pis, c'est pas sa dernière. Voilà, je vous l'ai dit, c'est sa dernière toxique. C'est gravement empoisonné, c'est pas grave. Guérison. Alors oui, hein, si je fais ça, c'est pour préparer le terrain, en fait. Hein. Parce que sinon, j'ai pas de Pokémon pouvant vraiment le contrer, hein, tout à fait. J'ai fait Bomber. Ouais, ça l'a imposé. Tentacruel, il a Bomber, Laser Glace, Hydro Canon et Toxique. Là, il va faire Laser Glace. Ouais. Vous voyez combien ça l'enlève? Une quarantaine de PV déjà. Même moins. Tant mieux. Je le soigne pas. On prend le risque, hein, tant pis, hein, si ça marche pas. Allez. Oh non! Coup critique! C'est pas vrai! Bon bah il a plus d'hydrocanon, donc allez kick. Ah, j'ai fait tout ça pour rien. Plus tard. Que te faire? Bon, il a plus d'hydrocanon, hein. Donc, Galek King, on ne risque pas d'être touché. Ah bon, d'accord. Bon, pas d'avocat dans ce cas-là. C'est vrai que c'est un type O, hein. Les étapes de type acier sont pas bonnes contre type O. J'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs. Damoclès. Tentacruel a une très bonne défense spéciale, une défense nulle. Ouais, guérison. Ouais. Guéris-toi. On accélère, voilà. Damoclès. Ça, c'est vraiment bien qu'il ait tête de roc. Hein. C'est Damoclès, comme ça ne fait aucun dégât pour Koko. C'est plutôt stylé, hein, je dois dire. Et comme c'est une attaque très puissante, bah, on peut en abuser grâce à ça. Un petit coup critique, allez. Ce serait bien. Yes, voilà. Vous voyez, c'est juste que je le dis, ce coup critique, c'est bon. Oui. Ah non. Non. Là, je change. Ah bon, voyez le derrière. Bon, pour l'instant, ça va. Ouais, la moitié de son équipe de moi. Ligator, je le crains un peu, Ligator, quand même. On va faire le jeu de la paralysie. On va donc faire Draco Souffle. En espérant que ça le paralyse. Dès le début, ce serait bien. Je sais qu'il est ultra laser. Oh là là, je sais qu'il est ultra laser, Ligator. Hein, qui va me one-shot à tous les coups. Paralyse-le, ce serait cool. Paralyse-le. Oh, il va faire ultra laser là. Ah ouais, je savais. Ah, j'en étais sûr. Il est bon, bah, Altaria KO. Mais j'ai une botte secrète. Une botte secrète, foutu. Une botte secrète que vous avez déjà vue. Lui, Galek King. Je compte sur la chance, tout simplement. Vous m'avez compris, hein, je suppose. Fatal Foudre. Et fonctionne. Oh yeah. C'est bon, ça. Bye bye, allez. Ça, c'est bon, ça. Voilà. Envoie ton Barbie. Ah, Ludicolo. Alors, Ludicolo, il a reflet. Mais... T'auras beau faire reflet autant de fois que tu le veux, mon ami. Tu ne pourras guère grand-chose. Au finish. Parce que j'ai aéropic. Fais reflet, je t'en prie. Y'a pas de problème. Prends-toi ça dans la face. Oh merde. Ça lui a retiré que la moitié. Enfin, mais ça veut pas retirer la moitié. Ouais, mais forcément, il est pas con. Oula. Guérison, forcément. Il a 4 guérisons, hein, Marc. C'est le maître, il a 4 guérisons. Ouais, forcément, sac.
Non, je sais, je suis encore. On va utiliser nos arbres rappels, hein. Une fois, je sais pour rien. Voilà, Altaria. Allez, on voit Chaos, si tu veux. De toute façon, ta surf, ça... T'as utilisé 4 surf parce que mon absol a pression. C'est pas l'eau. Altaria. Donc, vous m'avez compris, je pense, mon but, c'est de le paralyser. Ah, ça lag. C'est vraiment très embêtant. Oui, mon ordinateur n'est pas super puissant pour ça. Bon, on va d'accord. Ce serait que tu paralyses maintenant. Oh là 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 là. Et bah, c'est lui que je craignais le plus, hein, de toute façon, avec. Parce qu'avec l'aéropiqué d'Absol, ça marche, mais voilà. Allez, paralyse-le. Je pense pas que... Pas bon. Ouais, mais t'as pas d'attaque super efficace contre moi. Donc je vais en profiter en fait. Dracogriffe. Mince. Ouais, t'as que surf en fait. Donc ça va. Force, salut, force, t'as du coup, quoi. Ah ouais, quand même. Bon, allez, ok. Ouais, surf, ça marche pas mal quand même. Hein. Bon, la feuille marche, si tu marches, c'est KO. Hein. Ouais. Je le soigne, bien sûr, parce que je prends Vikinger. Ok. Génial. La feuille fonctionne. Oh yeah! T'es KO normalement. Normalement. À l'aise. Et Barbicha. Autrement dit, le combat est gagné. Là, c'est sûr. Eh bien, on en aura bien bavé. Hein. Chica, c'est pour restaurer du PV. Et. Bim! Bon, il est KO, c'est sûr, certain. Là, il n'y a pas de. C'est peut-être. Voilà. Eh bien, écoutez, ce fut un combat rondement mené, j'ai envie de dire. Tu as réussi à me battre, moi, le maître Pokémon. Beau travail. Tu as combattu de façon exaspérante, mais cependant glorieuse et élégante. Gloire à toi, Lucas. Tu es un dresseur Pokémon de grande classe. Eh bien, merci. Mais c'est un seul Pokémon, voyons. Les Pokémon que tu as envoyés au combat. Par moments, il dansait comme une brise de printemps. À d'autres, il frappait comme l'éclair. J'ai pas eu trop l'impression qu'il dansait, bon. Bien que de manière assurée, tu as su combattre élégamment. Même moi, je fus ébloui par tant de maestria. Désormais au sommet de la Ligue Pokémon. Je te proclame maintenant le nouveau. Lucas, voici un petit conseil avant que tu n'affrontes le maître. Quoi? Lucas, il se pourrait que... C'est déjà fait! Tu as vu? Qu'est-ce que je t'avais dit, Flora? Ne t'avais-je pas dit de ne pas te faire de soucis pour Lucas? Lucas, tu as enfin réussi. Quand j'ai su que tu avais battu ton propre père à l'arène de Fléancy, je me suis dit que tu avais une chance. J'ai réalisé que tu es maintenant le maître. Ah oui, qu'est-il venu de ton Pokédex? Laisse-moi voir. Tu as rencontré 150 Pokémon et tu en as attrapé 42. Hey, il commence à être plutôt pas mal, quand tu es avancé. Quoi qu'il en soit, félicitations. Entre fermement dans le team, yes. En tout cas, je vais donc terminer ma phrase. Le nouveau maître, suis-moi. Je suis désolé, mais à partir d'ici. Seul le dresseur de mes maîtres peut entrer. Je vais devoir attendre à l'extérieur avec le professeur. Mais... Je plaisante, pas de problème. C'est le règlement. Lucas, sincère félicitations. Cette pièce.
pas que les performances des Pokémon qui remportent les combats les plus difficiles sont conservées. C'est ici que les maîtres de la Ligue Pokémon sont honorés. Viens inscrire ton nom et ceux de tes partenaires de combat. On te reconnaîtra comme l'un des glorieux dresseurs de la Ligue Pokémon. Ce moment est vraiment solennel. Hein. Et voici donc le Panthéon. Le Panthéon de Hoenn. Cette ligue est plutôt équilibrée, je veux dire. Enfin, il y a quand même deux matchs où on affronte des queues de Pianetipo. Hein. Celle qui a fait mort Spookler, là, qui est le dernier. Mais dans l'ensemble, ça reste plutôt équilibré. Hein. C'est une bonne ligue. Contrairement à la ligue de noir, noir et blanc, qui franchement. On va pas appeler ça une ligue. Hein. Bienvenue au Panthéon, avec ma belle équipe. Ouais, moi j'ai bien mon équipe en chantier. Maître de la ligue, félicitations. 49h18. Et voici les crédits de fin de jeu. Là on va voir tous les Pokémon que j'ai attrapés en fait. On va voir tout mon Pokédex, les 42. Sinon je vais en profiter pour annoncer un peu plus mes projets. En fait. Bah déjà je vais faire les légendaires d'Emeraude. Tous. Même ceux qu'on peut voir par event, hein, je pense notamment à Mew. Je vais tous les faire. Et je les ferai en vidéo bien sûr, hein, bien entendu. On m'a demandé aussi pourquoi je n'ai pas fait le Let's Play d'Emeraude. Tout simplement parce que mon envie de faire des vidéos est venue pendant que je jouais. En fait, elle m'est vécu récemment, c'est en suivant les vidéos. Par exemple, les vidéos de Fuito ou celle de Freester que mon envie est venue en fait. En les regardant, je me suis dit pourquoi pas moi. Mon envie vue comme ça, et j'étais en train de faire Emeraude, j'allais pas recommencer. Donc, je me suis dit voilà pourquoi je n'ai pas fait le jeu Emeraude. Alors, est-ce que je le ferai un jour peut-être. Bon, ce sera pour tout de suite, hein, ça c'est sûr. Mais je le ferai sans doute. Mais là, notamment, je vais faire tous les légendaires déjà. Parce que j'en ai attrapé aucun. Et voilà, donc, les légendaires déjà. Vous aurez droit à tous les légendaires. Alors pour ceux qui veulent un let's play de qualité de Pokémon Emerald, je vous recommande celui de Fuito, hein, il est excellent, franchement, tout est bien. Celui de Freester aussi, il est excellent. Donc si vous voulez vous voulez voir le let's play à tout prix, bah regardez ce let's play là. C'est let's play là. Je vous les recommande à ce niveau. Alors oui, là, au moment où je tourne la vidéo, c'est vendredi soir. Et lundi, à partir de lundi, j'ai des examens à passer pendant 2 semaines. Donc pendant ces 2 semaines-là, je ne pourrai pas tourner de vidéo. C'est donc du 16 au 27 juin que je passe ces examens. D'ailleurs, le 27 juin, c'est mon anniversaire. Hein. Mon cadeau d'anniversaire sera la fin de mes examens et donc les vacances. Voilà. Tout simplement. Donc pendant ce temps-là, il n'y aura pas de vidéo, hein, je suis désolé. Mais vous inquiétez pas, après ces 2 semaines-là, je commencerai mon épopée des légendaires. On va passer là, il y a quelque chose que je veux faire avec vous avant. Il y a un rapport avec les légendaires, justement. L'écran titre, voilà. Nous revoilà chez nous. Comme au début du jeu. Sauf que là, on est maître, hein. C'est pas du tout pareil. Hein. Ah, il y a notre père. Hein? Hey, c'est Lucas. Ça fait vraiment qu'on ne s'est pas vu. J'ai l'air d'avoir plus d'aplomb. Alors, il m'a pas vu rentrer, Il savait pas que j'étais là, quand même, c'est un peu fort, hein, je trouve. Mais bon, c'est les choses dans Pokémon qui sont illogiques, hein, on va dire. C'est l'impression que tu me donnes. Mais ton vieux père n'abandonne pas. Ah oui, j'ai quelque chose pour toi.
Un certain Monsieur Marco m'a donné ça, pourquoi? Ah, le passe-bateau, c'est pour aller, au Battle Frontier, ça. Est-ce qu'un passe pour le ferry? Mais, tu poses la question, c'est toi qui me l'as donné, hein. Bon. C'est pas grave. Si ma mémoire est bonne, il y a des embarcadères à Poivre-sel et à l'île de Fuite pour le ferry. Je veux retourner à la reine de Clément Civil, là. Désolé, chérie, je dois déjà repartir. Ton papa est incroyable. Il n'est jamais à la maison, mais partira s'il ne parle plus de Pokémon. Il devrait se reposer et rentrer plus souvent. Est-ce que c'est un scoop? Et voici un bulletin spécial d'information. Selon des témoignages récents, selon des témoignages, un Pokémon volant de couleur a été aperçu à plusieurs endroits dans l'Ouest. L'identité de ce Pokémon n'a pas encore été déterminée. Et maintenant, voici votre film d'histoire en exclusivité. Puissance en tape. Lucas, tu as compris? Qu'est-ce qu'ils ont dit à propos de la couleur de ce Pokémon? Alors là, ils nous demandent de choisir, simplement parce que, en fonction de la couleur que l'on choisira, ce sera soit Latios, soit Latias qui apparaîtra. Bon, je vais faire Latios. Je vais prendre bleu. Enfin, avec un event, on peut avoir les deux. Hein. Moi, je suis sur émulateur, donc je pourrais avoir les deux. D'ailleurs, je ferai les deux. Bleu. Donc, je prends bleu. C'est-à-dire qu'il reste encore des Pokémon inconnus à notre époque. D'accord. Elle n'a plus rien à nous dire. Bon bah écoutez, on va se laisser là. Oh, on va sortir chez nous, c'est en place. Ah bah tiens. Tiens Lucas, toutes mes félicitations pour tes exploits. Je sais que tu avais quelque chose de spécial dès notre enfance. Mais je n'imaginais pas tout ça. En fait, tu as toujours le Pokédex que je t'ai donné. Il faut que je te montre quelque chose suivant au labo. Maintenant, Lucas et Flora, vous m'avez aidé dans mon étude des Pokémon. Votre aide a permis de faire des découvertes. Il semble que dans la région de Hoenn, il y a des Pokémon provenant d'autres régions. Cela montre à quel point la région de Hoenn a une nature riche et variée. C'est pour cela qu'il est nécessaire que je passe votre Pokédex en mode national, là. Laissez-moi voir votre Pokédex. Vous êtes vraiment pensé que les versions Ruby, Omega et Sapphire Alpha vont être énormes, hein. Vraiment. Parce que Hoenn en graphisme de X et Y, ça va être quelque chose, hein. Super! Ton Pokédex aussi a été mis à jour. C'est grâce à toi, Lucas. Tu as attrapé plein de Pokémon. Pas tant que ça. Là. Terminé. Cool. Écoute-moi. Tu as ton titre. Non, tu as le titre de maître de la ligue, mais ton périple n'est pas pour autant terminé. Le chemin qui mène aux Pokémon est infini. Il y aura toujours un coin d'herbe verte qui t'attendra quelque part. Je crois que je vais rester de terrain pendant un temps. Je vais rester ici, là, pour aider un peu plus tard. Bon, bah, on va s'arrêter là, parce que c'est sûr. On va se mettre devant une maison, c'est des classes. C'est des classes, c'est ça. Logique, ça. Ah, attendez. Mip, Scott. Ah, c'est Scott. Bonjour, bonjour, Lucas. C'est moi, Scott. Je suis à bord du Marina. J'aime sentir le grand frais du large. Dis-moi, j'aimerais t'inviter quelque part. Si ça t'intéresse, prends le ferry à Port-Bruxelles ou Nelly Creek. J'en dirai plus quand tu seras là-bas. J'espère te voir bientôt. D'accord. Ouais, c'est pour le Battle Frontier. Eh bien, on va s'arrêter là. J'espère que l'épisode contre le maître vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires. Comme toujours, j'attends de votre part que vous soyez actifs, comme vous dites ce que vous pensez. Que ce soit des bonnes critiques comme des mauvaises, hein. J'accepte tout, hein, du moment que c'est construit, y'a pas de problème. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Enfin, j'aime pas dire ça, abonner. J'aime pas trop dire n'hésitez pas à vous abonner, dans le sens où ce que je cherche, moi, c'est pas forcément avoir plein d'abonnés, hein. Enfin, ça serait mieux que j'ai plus d'abonnés, je vous cache pas, mais moi ce que je cherche c'est surtout à... Parce que vous me dites ce que vous pensez. Puis si ça vous plaît, bah abonnez-vous, ça me ferait vraiment plaisir, voilà. Mais avant tout, c'est surtout votre avis qui m'intéresse, voilà. C'était Et les câbles best. Allez, à ciao tout le monde.